Elle dit, oh, à vous pareillement, que le Seigneur Jésus-Christ mette sa main sur vous. Elle n'est pas arrêtée là encore. Elle allait plus loin, c'est là, mais ça m'a même étonné. Elle dit que le sang du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. J'ai dit, mais what? J'étais là comme ça. J'étais là même comme ça. J'ai dit, mais sérieux? Suis-je à l'église? Oh, j'étais dans une banque. Une banque. Nangs Reborn. Bonjour les frères et sœurs, c'est comment? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Si c'est le cas, Dieu merci. Aïe aïe aïe! Comme vous avez vu dans la photo que j'ai postée dans la partie communauté de la chaîne, je suis sorti le matin. Très tôt. Vraiment tôt, hein. Je suis sorti vraiment tôt. Parce que je devais aller régler un problème dans une banque. En fait, dans la première banque 100% digitale du pays. Et voici que je vais marcher, emprunter des véhicules et me rendre là-bas. Et je serai surpris par beaucoup de choses qui. Bon, beaucoup de choses tellement hors du commun que j'ai décidé de vous raconter ça ici sous forme de story time. Soyez prêts. Ah! Je vous raconte tout. Après mes recherches, j'ai finalement trouvé la position de la banque, c'est-à-dire où là où la banque se trouvait. Et la banque se trouvait dans un endroit pas trop caché, mais j'ai fini par trouver l'endroit. J'ai fini par trouver l'endroit. Et il s'est arrivé là. Il n'était pas 8h, il était 7h48 par là. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Je devais tout simplement attendre que le personnel arrive parce que apparemment ils ouvrent là-bas à 8h, c'est à 8h qu'ils ouvrent là-bas. Du coup j'étais là tranquillement en train d'attendre tranquille et finalement ils sont arrivés. Vous savez, moi je suis un gars très très patient. Le travail que j'ai fait ici m'a donné beaucoup de vertus. Avec que vraiment, je suis très 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 patient. Je sais comment patienter. Mais pour avoir ce que je cherche, quoi. Et voici que je me suis arrêté là avec toute personne qui attendait. On m'a dit deux autres personnes aussi qui étaient venues. Et finalement, je vais encore patienter jusqu'à ce qu'on puisse me recevoir. Et un homme est venu, s'est approché de moi, m'a posé tas de questions, mais là n'est pas le problème. Le problème là, le plus grand problème, c'est que pour la première fois de ma vie, on m'a reçu comme un chrétien dans une entreprise. Est-ce que vous en avez compris? On m'a reçu comme un chrétien. C'est pas comme un chrétien, c'est comme un chrétien. Pourquoi il dit ça? Vous allez comprendre. Déjà, ils sont arrivés. Ils ont expliqué ma préoccupation, ils ont expliqué certaines choses. Je leur ai dit, ça fera bientôt 30 jours, j'attends un truc, voilà, depuis, qu'est-ce qu'il y a? C'était la plaquette, était là. Et finalement, après vérification, la femme qui m'a reçu, en fait, la femme Claire qui m'a reçu, parce qu'il faut préciser, la femme Claire qui m'a reçu là, elle m'a dit tout simplement que voilà, tout allait bien, dans peu de temps, on va dire dans 10 jours comme ça, le problème pour lequel je suis là sera résolu. Et moi j'étais content. Puisqu'au moins elle m'a dit quelque chose d'intéressant.
même si je dois encore patienter 10 jours, vous savez, Dieu me donne la force de pouvoir patienter. Et voici, j'ai fini, on a fini. Voilà, elle a donné la réponse, elle a résolu en moitié mon problème. Et voici que l'heure est venue pour moi de rentrer, c'est-à-dire de la quitter. Et c'est en ce moment-là, quelque chose va se passer. Ah! Elle m'a bien reçu, c'est extraordinaire. Mais elle m'a bien reçu et tout ça. Et je dois partir. Avant de partir, généralement, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit avant de partir? On peut vous dire, on peut vous poser la question, est-ce qu'on a bien répondu à votre question? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que c'est une chose? En tout cas, tout ça, on a fini avec ça. Et on va vous dire au revoir, bon après-midi ou bien bonne soirée. C'est qu'on a l'habitude de vous recevoir à la fin des conversations, à la fin des entretiens dans des tels services. Et moi, voici que, au lieu qu'elle me dit ça, hein, elle me dit, bon, moi, mais d'abord, je lui ai dit, merci beaucoup, passez une très bonne journée. Elle dit, oh, à vous pareillement, que le Seigneur Jésus-Christ mette sa main sur vous. Elle s'est pas arrêtée là, encore. Elle allait plus loin, c'est la même, ça m'a même étonné. Elle dit que le sang du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Ah, j'ai dit, mais what? J'étais là comme ça. J'étais là même comme ça. J'ai dit, mais sérieux? Suis-je à l'église? Oh, j'étais dans une banque. Une banque. Ah, vous laissez ma délivrance en même temps. J'étais là. Honnêtement, j'étais tellement impressionné. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis sur cette planète. Elle me dit carrément, elle me dit que le Seigneur Jésus-Christ vous accompagne, qu'il veille sur votre journée et que son sang soit sur vous. What? Elle me délivre ou quoi? J'étais même étonné. Elle me dit si je me suis dit à un moment donné, ah! Sérieux, et j'étais là moi-même en train de dire oh amen, amen, ou ah, amen, ou amen. Il dit amen seulement. Parce que même là, on a quitté le niveau d'une simple banque hein, à un niveau plus amélioré, comme si on se trouvait dans une église maintenant. Dans une église. En tout cas, ça m'a touché. Ça m'a tellement touché que. J'étais assis là tranquillement en train de penser à tout et à rien. Elle s'est prêt. Oui, il arrive. J'étais de penser à tout et à rien lorsque là je suis sorti pour acheter les trucs. Comme on vient de me dire que voilà, c'est quoi, je vais aller récupérer la chose. Lorsque je suis venu acheter les trucs, j'étais là et puis je me suis dit, honnêtement, il faut que je partage ça avec vous, à tous mes abonnés. Peut-être que vous travaillez dans une banque ou bien dans un endroit où vous recevez les gens. Mais s'il vous plaît, n'hésitez pas à parler de Jésus-Christ aux gens. Voilà, ce sont des belles occasions comme ça que vous pouvez utiliser pour pouvoir parler de Jésus-Christ. Honnêtement, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Honnêtement, ça m'a marqué. Hein. Je n'ai jamais été reçu comme ça. Où vous allez voir ça? Depuis quand? Vous avez déjà vu ça où? On vous reçoit très bien. Et après, on vous dit que le Seigneur Jésus vous accompagne, que son sang soit sur vous. Ça se voit même que c'est une chrétienne pratiquante. Même si c'est pas, même si elle fait semblant, ça touche quand même. Ça restera toujours dans mon esprit. Quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai bien fait de vous raconter cette histoire? Ça, c'est une story time. Hein. C'est un truc qui vient de se passer le matin. Oui, juste là, aujourd'hui, dans quelques heures seulement que je partage avec vous. Aïe, aïe, aïe. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Restez connectés, c'est sûr. Merci pour vous. C'est parti. Si vous voulez nous faire un don pour nous soutenir,
En cliquant sur ce bouton pour aller sur la page d'accueil, vous allez voir à propos. À propos de la chaîne, ou bien juste en haut de la chaîne, si vous vous trouvez sur un ordinateur, vous allez voir me faire un don. Là, tous ceux qui veulent exprimer leur cœur et me soutenir vont le faire. Mais que ça vous vienne du cœur. Nangs Reborn.